se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un mini comme ça mini haul action sur le diamond painting. Voilà, et oui, j'ai trouvé du diamond painting à action aujourd'hui. J'y allais pas pour ça, hein. J'y allais pour faire quelques courses ménagères pour chez moi. Je ne devais même pas passer au rayon loisirs créatifs, mais bon, quand on rentre, hein, vous savez comment ça se passe, le rayon est c'est le premier rayon direct. Enfin, mon action à moi, en tout cas, quand on rentre, on rentre directement dans le rayon loisirs créatifs. Je sais qu'il y a des attractions où c'est un petit peu plus dévié, mais le mien, non, off. On est en plein dedans. Voilà. Donc, je ne peux pas faire autrement. du coup, d'abord, quand je rentre, bon, je regarde d'abord le mur de promo. Il y avait un truc qui m'intéressait, je l'ai pris. Et puis, j'ai quand même jeté un petit œil, du coup, à gauche, sur le rayon le loisir créatif. Et puis, j'ai vu une boîte marquée « Diamond Painting ». Ah, j'y, c'est quoi? Mais c'était pas les grandes boîtes, hein. C'était des petites boîtes. Je vais vous la montrer. Je vais pas vous laisser languir, vous inquiétez pas. Donc, j'ai regardé ce que c'était. Donc, il y avait plusieurs modèles. Donc, je n'ai pas pris tous les modèles parce que moi, je n'ai pris que ce qui m'intéressait. Parce que ça sert à rien que j'achète des choses qui vont rester sur le côté, qui ne me plairont pas. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau, par contre. Moi, c'est la première fois que je le vois dans mon action. Je ne sais pas si c'est nouveau. Si vous les avez déjà eu depuis un moment dans votre action ou pas. Donc, c'est entre parenthèses une nouveauté donc pour moi, pour mon action à moi. C'est la première fois que je les vois. Donc, voilà. Ce sont... Alors, moi, j'en ai pris 3 boîtes. Alors, on va essayer de vous les montrer comme il faut. Voilà. Donc, j'ai pris 3 boîtes différentes. Ce sont des cartes postales, donc des cartes. Alors, je ne les ai pas encore ouvertes, hein. Je vais les découvrir avec vous. Je vais les ouvrir avec vous. Alors, ce sont des cartes postales. Il y a dans chaque boîte 4 cartes avec 4 enveloppes. Voilà. Donc, c'est des cartes que l'on doit faire en diamond painting. Et donc, voilà. Bon, là, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans les boîtes. Je ne les ai pas du tout ouvertes. J'ai attendu de faire la vidéo. Je n'ai pas fait ma petite curieuse. j'ai dit, je vais attendre la vidéo pour regarder comment c'est. Puis, on va découvrir ça. Voilà. Alors, la première... Donc, la première, on a d'abord une carte comme ça avec un chat. Et après, voilà les 3 autres cartes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Il y a un cochon, un petit chien et un oiseau. Voilà. Bon, le cochon, c'est un peu spécial à envoyer à quelqu'un, je trouve. Ou alors quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et bon. Allez, je vais ouvrir ça. Je vais prendre mon petit scalpel. Alors, je vais vous dire tout de suite le prix des boîtes. Alors, les boîtes sont à 1,84 €. Bon. On va voir si le prix n'est pas trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Alors, dans les boîtes, il y a... rien. Alors, on a d'abord les cartes. Voilà. Alors, il y a une notice. Alors, oui, on a d'abord une notice. Qui nous explique... bon, alors, là, c'est pas en français. Voilà. Réalise ton propre tableau diamant. Bon, oui.
Ils ont recopié, c'est exactement la même notice que l'on a dans les grands kits. Ils ne se sont pas embêtés. Et donc, on a les couleurs. Voilà, on a la liste des couleurs ici. Donc, c'est les mêmes couleurs pour... oui, c'est ça. On a les mêmes couleurs pour pour les quatre cartes. Voilà, donc on a cette notice-là, voilà, et on a le rappel des cartes que l'on doit faire. Donc, on a d'abord une notice. On a les quatre cartes, alors je vais vous les présenter une à une. Voilà, alors désolé, hein, ça brille, mais il y a la protection. Donc, le chat. Alors, on a les... Bon, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, hein. Les deux roses, là. Voilà, il n'y a que ces deux roses-là à faire. Voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc l'intérieur est blanc et derrière c'est décoré comme ça. Voilà. L'oiseau, bon là il y a un peu plus à faire, il y a tout l'oiseau à faire. Voilà, bon je ne vous montre pas l'intérieur à chaque fois, hein, ce sera toujours la même chose. Le chien, alors le chien, il y a son petit collier à faire et son nonos. Donc, c'est des trucs qui vont aller extrêmement vite à faire. Hein. Et notre petit cochon rose. Alors, lui, il y a les trois roses à faire. Là, là et là. Voilà. Il n'y a rien à faire sur le petit cochon. Bon. Mais celle-là, je vous dis... un peu spécial pour envoyer à quelqu'un. Bon. Alors, avec, on a les enveloppes. Voilà, donc ils ont mis quatre enveloppes. Hein. Le petit kit. Voilà. Et les perles. Donc, ce sont des perles rondes. Voilà, donc ce sont des perles rondes, je vous montre, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est normal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs, voilà. Un peu de bleu. Voilà, voilà ce qu'on a en perles pour faire ces quatre cartes-là. Donc ça, c'est le premier kit. Alors, je remets tout comme ça en vitesse dans la boîte pour pas mélanger les pinceaux. Voilà. Le deuxième kit, voilà. Donc là, c'est surtout des... Alors, il y a des... Comment ? Là, c'est des roses, voilà. Et derrière, donc, papillon, un hello et encore une rose. Donc, je vous montre de plus près avec les cartes. Bon, je ne vous montre plus le kit. Hein. Ça, c'est le mode d'emploi pareil. Je ne vais pas vous l'enlever. Les enveloppes, pareil, il y a les quatre enveloppes. Les perles, ça je vais vous les montrer. Et les cartes, voilà. Alors, la première, voilà, il y a la grosse rose à faire. Là, les trois roses sont à faire. Et là, il y a Good Luck. D'écrit good luck, si je ne me trompe pas, je crois que ça veut dire bonne chance. Voilà le papillon, oui, joli, j'aime bien. De toute façon, les papillons, j'aime bien. Voilà, et ici des petits oiseaux.
Donc, il n'y a que les oiseaux à faire avec un hello au milieu. Voilà pour le deuxième kit. Et au niveau des perles, pardon, donc toujours des perles rondes, hein, bien sûr. Ah, il y a un petit paquet blanc qui n'est pas accroché, voilà. Et ici, voilà les couleurs que l'on aura, du rose, du couleur un peu safran, voilà, rose, un rose plus foncé, un gris, gris plus foncé, encore un rose saumon, rose, rose plus foncé et un noir, voilà. Bon, ça va. C'est des jolies couleurs. Bon, puis là, je pense qu'il y a assez de perles, hein, puisque vous voyez, il n'y a pas grand-chose à perler sur ces cartes. Donc, voilà, pour le deuxième. Alors, le troisième et dernier. Alors, moi, j'en avais vu que quatre dans le rayon. Quatre sortes différentes. Donc, je ne sais pas s'il y en a plus de quatre ou s'il y en a, comme des fois, il y a six modèles. Mais le quatrième que j'ai vu ne me plaisait pas, c'était avec des bannières, avec des coupes de champagne, des choses comme ça. Ça, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai vu que quatre modèles différents. Donc, je ne sais pas s'il y en avait plus que quatre ou pas. Alors, la dernière kit que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc là, il y a un flamant rose. Donc là, c'est sur les animaux. Et donc, il y a un perroquet, un lion et un toucan. Voilà. Donc, je vais prendre que les cartes. J'ai pris le mode d'emploi, bien sûr. Très bien. Je remettrai après. Alors, le toucan. Voilà. Désolée, hein, ça... Il y a le téléphone qui reflète dans... Voilà, donc vous avez tout le toucan à faire. Le flamant rose est joli. Voilà, donc vous avez tout le flamant rose à faire. Le perroquet, donc un hara. Donc, c'est pareil, vous avez tout le perroquet à faire. Et le lion. Voilà. Vous avez toute sa tête. Je trouve jolie aussi. Voilà. Alors, là, au niveau des perles. Donc, bien sûr, vous avez aussi les quatre enveloppes. Hein, et le petit kit pour perler. Je suis en train d'essayer de remettre le mode d'emploi. Voilà. Ah, on a, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de perles là, puisque là, il y a plus à perler. Donc, ça va bien, ça va faire des petites récréations. Ou pour les enfants, une petite activité à faire avec les enfants aussi, pour ceux qui ont des jeunes enfants à la maison. C'est pas mal. Alors, du blanc, du... pardon, du beige blanc cassé, du rouge, du bleu, un bleu plus clair, un marron clair, un marron un petit peu plus... légèrement plus foncé, encore un tout petit peu plus foncé. Un orangé, un orange, couleur un peu safran comme tout à l'heure, du vert, du rouge, du rose, rose plus foncé,
rose fuchsia, du gris et du noir. Voilà. Donc là, ici, pour celui-là, on a un peu plus de couleurs et de perles. Oui, comme je disais, ça peut être une belle activité, ça, pour les, avec les enfants. Hop. Voilà. Parce que là, c'est des petites choses à faire, ça... Ça les ennuiera moins pour ceux qui ont un peu moins de patience. Et peut-être pour leur apprendre un peu le diamond painting. C'est pas mal. Donc voilà. Ce que moi j'ai choisi. Donc je vous dis, il n'y avait que 4 modèles hein, dans mon action. Et je ne sais pas si. S'il y en avait plus ou pas, voilà. Donc, je vous les remontre. Donc, moi j'ai pris celui-là, la boîte rose, la boîte bleue, la boîte rose bordeaux, et hop, je vais pas refermer toi, et la boîte rose verte. Voilà. Donc, je vous rappelle le prix de ces petits kits. Alors, ils sont à 1,84 €. Bon, ça va. C'est pas... Ça vaut le prix. Oh, ça y est, je commence à bâiller. Et en même temps, j'ai trouvé... Alors, pareil, je pense que c'est nouveau. Je ne sais pas. Bon, vous savez que Chouchou fait beaucoup de coloriage. Moi, j'en fais un peu aussi. Moi, en ce moment... Mais bon, j'ai trouvé deux petits livres de coloriage. Donc j'en avais pris un pour moi, un pour lui. Je lui ai dit de choisir celui qu'il voulait. Alors, c'est ces livres-là. Voilà. Alors j'ai trouvé que ces deux modèles-là. Hein. Donc pareil, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà. Donc il a choisi celui-là. Voilà, bah, du coup, j'ai gardé celui-là. Alors, donc c'est une couverture rigide, hein, là, comme un livre cartonné, qui est tenu avec un élastique. Voilà. Et voilà les coloriages qu'il y a dedans. Bon, je ne vais pas peut-être tous vous les montrer, mais... Voilà. Donc, il y a des pages où vous avez des phrases, mais bon, en anglais, voilà, bon, c'est toujours le problème. Il y a quand même des beaux dessins. Donc, vous avez un petit marque-page. Voilà. Ici. Alors, le papier est pas est normal. Voilà. J'essaye de regarder si c'est marqué, mais non, ça derrière, je vois rien. Voyez. Oui. Donc voilà, il y a plein de dessins de toutes sortes. Bon, je vais essayer de vous montrer comme ça. Non, même pas. Un chat. Un petit héron, un petit garçon. Voilà, bon, il y a plein de choses. Voilà, des champignons. Un petit lapin. Bon, il y a peut-être des coloriages que Chouchou fera peut-être pas, je pense, parce que, bon, c'est pas trop son style, mais bon.
un lama. Voilà. Vous voyez, genre comme ça, le visage, je ne sais pas s'il va le faire. Mais bon. Voilà. Donc voilà. Pour celui-là. Et le mien. Alors ces livres-là sont vendus 1,16€. Ça va. Donc il y a 40 pages. Ouais, 40 sheets, je crois que ça veut dire page. Donc le mien, le voilà. Donc je ne sais pas s'ils mettent l'épaisseur des pages quelque part. Ça y est, le grammage. Mais non, il n'y a rien de marqué. Non, il n'y a rien d'écrit. Bon. Donc voilà. Bon, moi, ça va être fait au crayon de couleur, hein, de toute façon. Chouchou, lui, je ne sais pas, parce que lui, il est plus feutre. Donc, ça, je pense qu'il va devoir faire un dessin sur deux. Parce que je pense que au feutre, ça va traverser. Bon, je vous montre une page sur deux. Hein. Voilà. Ah, j'ai du mal à vous montrer, parce que là, le livre est petit. Voilà, vous voyez ce genre-là, par exemple, il y a du taf. Là, mignon celui-là. Donc, toujours avec le marque-page. Là, pareil, il hein, y a du taf. Voilà. J'essaie de vous montrer Là, on a ici un gâteau. Voilà. Là, des oiseaux, des vases. Bon, enfin, il y a plein de choses. Là. Un héron. Des papillons. J'ai des papillons. Après là, des fleurs, des ballons. Donc voilà, c'est quand même assez diversifié. Voilà, une sirène. Non, mais ils ont l'air beaux. Pour faire un petit peu entre deux, de temps en temps. Pour me remettre un petit peu au coloriage. J'ai pas fini mes livres hein, de coloriage. Hein, mais bon. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas beaucoup. Enfin, j'en fais pas du tout. Mais... Donc voilà. Donc, je vous remonte les deux couvertures. Donc là, je n'ai vu que ces deux-là. Ils étaient en grand nombre, mais que ces deux-là. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà. Donc, cela, c'est 1,16€. Donc, voilà, je voulais vous montrer ben, mes petits achats actions. Bon, j'avais des autres achats, mais bon, ça ne servait à rien que je vous les montre. Hein, c'est des articles ménagers pour la maison. Hein. Du produit pour mes toilettes. qu'est-ce que j'avais acheté encore? Alors, oui, j'ai acheté des serviettes de table. D'habitude, on n'en trouve pas à Action. On a déjà regardé plusieurs fois. Parce que bon, quand on est à table, on prend souvent des serviettes en papier, mais bon, j'en ai marre. Enfin, surtout ben, pour l'écologie, de devoir jeter tous les soirs deux serviettes en papier à la poubelle, voilà. C'est un peu stupide. Et puis, pour l'économie aussi, hein, l'écologie et l'économie, les deux vont ensemble. Et donc, je trouvais pas de serviettes de table à Action, et même dans un autre magasin où je vais, près de chez moi. Et là, par contre, ils en ont sorti. Donc, c'est avec Noël. Et du coup, j'en ai pris... bon, là, j'en ai pris qu'un paquet pour l'instant. C'est des lots de 4. Donc, j'en ai pris qu'un seul lot pour l'instant, parce que je vais d'abord le passer à la machine à laver.
De toute façon, ça, obligatoire, hein, machine à laver avant de s'en servir. Hein, parce que là, bon, bah, tout le monde y a touché, hein, à l'usine, au transport, les vendeuses, les clients. Là, il y a eu plein de mains dessus. C'est comme des choses qu'on va mettre à notre bouche. donc, lavage obligatoire d'abord avant de s'en servir. Et bien, du coup, ça va me permettre de voir si, sorti de la machine à laver, ben, ça ne bouge pas. Parce que ça, je les ai payés. Alors, mes serviettes en papier. En papier. En tissu. 3,29€ pour 4. Et bon, et du coup, c'est les serviettes de Noël. Mais bon, qui font un peu. Qui peuvent faire un peu tous les jours. Je les ai pris noirs. Pareil. Parce qu'il y avait des blanches, il y avait des beiges, des roses claires. Donc, tout des clairs et des noirs. Mais je me suis dit, si je prends des noirs, des clairs, bon, quand on mange par exemple de la sauce tomate ou quoi, ben, une tache de tomate, ça y est, c'est mort. Vous avez beau laver la serviette, elle est morte. Sauce tomate, c'est mort. Donc, je les ai achetés noirs, comme ça, je suis tranquille. Et donc, si là, demain, quand je vais les laver, ça ressort bien au lavage, je vais en reprendre un lot. Nous, on n'est que deux hein, à la maison, donc ça va. Mais je préfère en avoir d'avance. Voilà, donc j'avais pris ça. J'ai un anniversaire à la fin du mois, donc j'ai acheté un cadeau. Puis... Des sachets à crottes pour mes toutous. Oui. Ben oui, il faut bien ramasser leurs crottes, hein. Ça, c'est pareil, hein, je les achète toujours à Action parce que vu le prix... je paye ça quoi combien? Attendez. Alors, j'achète deux sortes de sachets à crottes. Un où il y a 30 sachets dedans, donc c'est 99 centimes, et c'est des grands, comme ça. Et cela, je m'en sers pour la litière à Fifi. Et des plus petits, mais là, qui sont en petits rouleaux, toutes les couleurs. Et là, vous avez, alors, ce qui marque. Oui, vous avez 8 rouleaux, 8 rouleaux avec 20 sachets chacun. Donc, ça fait 8 fois 20, je ne sais plus, 8 fois 10, 80, 160. Ça fait 160 sachets pour 1,92€. Ça va. Puis voilà. Puis bon, de babioles. Ah oui! Et Chouchou a voulu la grande tablette. Puisque moi, j'ai ma grande tablette. Il a voulu avoir la grande tablette aussi. Donc, je lui ai acheté une grande tablette. Il a eu du bol. C'était la dernière du magasin. Il n'y en avait plus. C'était la toute dernière. Donc, là-dessus, il a eu du bol. Du coup, on va sûrement revendre nos autres tablettes. Parce qu'on ne va pas garder les tablettes lumineuses et en faire une collection. Donc, je vais très certainement revendre nos deux anciennes tablettes lumineuses, puisque là, alors, elles ne nous serviront plus à rien. Voilà. Donc, voilà, mes petits achats Action. Mais non, mais c'était surtout pour vous montrer donc ces petites boîtes de cartes Diamond Painting. Donc, si vous ne les avez pas à l'endroit... Si vous ne les avez pas vus, ben, allez voir dans votre Action s'ils les ont encore ou s'ils les ont reçus. Et puis, je vous dis, moi, j'ai vu que 4 modèles. Donc, je ne sais pas s'il y en a plus. Je ne sais pas du tout. Donc, si vous en voyez plus que 4, dites-le-moi au passage. Comme ça, je le saurai. Mais... Moi, j'en ai vu que 4. Et les livres de coloriage, je n'ai vu que ces deux-là. Donc, pareil, dites-le-moi. Ça m'intéresserait de le savoir en même temps. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Parce que je vais monter ma vidéo. J'ai une deuxième vidéo à vous monter. Et là, on est le 24, je crois. Oui, 24. Et il vous reste 24 heures pour le concours. Voilà, après, c'est terminé. Vous ne pourrez plus participer au concours. Le concours sera clos demain à minuit. Voilà. Allez,
Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.